Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui on va parler du film Mine de rien réalisé par Mathias Miklus avec Aaron Ducré, on en parle tout de suite maintenant. Cette mine, c'est notre mémoire, c'est notre vie. Grosso modo, le film est excellent dans la narration, dans la mise en scène, dans le scénario, même si je trouve, pour énoncer quand même des petits points faibles du film, je trouve que le scénario est extrêmement long à se mettre en place. Le principe du film, c'est des chômeurs qui veulent créer un parc d'attractions. Mais ils le font 34 minutes après le début du film, c'est extrêmement long. Donc voilà, c'est à beaucoup de... L'intrigue du film principal met longtemps à arriver. Après, nous avons des personnages secondaires assez mal écrits. Voilà, comme la mère. Pourquoi les chômeurs tutoient la mère, alors qu'on doit vous voyer. Voilà, est-ce qu'ils se connaissaient avant. Enfin bon, voilà, ça aurait pu être exploité. C'est dommage. Allez, les points forts du film, c'est parti. Il est où votre manège là? Vous êtes dessus. Ah papa, c'était génial. Eh bien, nous avons donc un très bon casting, hein, surtout pour Aaron Ducré qui est toujours aussi bien. Hein, voilà. Un scénario sous fond de polémique, hein, très bien imprégné dans le film. Un film à un message politique qui aborde avec justesse, avec une certaine réalité, hein, la situation des chômeurs, mais plus généralement des gilets jaunes. Et qui se moque aussi, qui se fout royalement de la gueule de la politique Macron. Donc ce film-là, ce niveau-là, il... assez drôle. Nous avons un film émouvant avec de belles leçons de vie et plein d'amour et d'humanité. Ça, c'est vrai que c'est plutôt bien trouvé. Voilà, c'est un film qui fait du bien au moral et qui nous fait rire pendant une heure et demie, deux heures. Je crois que le film fait 1h40 ou 1h47, je crois, tout dans ce genre-là. Enfin voilà, donc c'est un bon film et un film à regarder vraiment en famille, quoi. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette critique. Ciao tout le monde, c'était The Critics Man pour la critique de film Mine de rien. Ciao tout le monde.